dit-il, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. Donc la prière selon Anne, c'est la respiration de l'âme. La prière, eh bien, c'est répandre son âme devant le Seigneur. C'est lui dire tout le fond de notre cœur, sans aucune retenue. Parce que nous devons, bon Dieu, à genoux, ou à prier, papa, ou pas dire aucune retenue, ou pas dire aucune barrière, eh bien, ou laver corps devant bon Dieu, même j'ai un liquide qui tombait sous carpette, à souffle, à capouille. C'est qu'on sort à genoux devant le Seigneur avec confiance et assurance. Cela veut dire, mes bien-aimés, eh bien, un chrétien peut toujours mesurer sa confiance en Dieu par sa vie de prière. Ou qu'à mesurer confiance qu'on vient au bon Dieu par votre vie de prière. Pas de prière, pas de confiance, moins de prière, moins de confiance, plus de prière, plus de confiance. La vie de prière de chrétien détermine la mesure de sa confiance en Dieu. Un chrétien qui néglige les prières, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en l'Éternel. Son monde qui n'a pas besoin de relations profondes avec Dieu. Car la prière, ce n'est pas un moyen, mais c'est le seul moyen de communication avec Dieu. C'est pour moyen lié. Mais c'est le seul moyen par lequel nous pouvons constamment être en communication avec Dieu. La prière, comme un pile chrétien comprend, c'est pas un exercice religieux que lié. La prière, c'est pour un exercice religieux. Comme un pile chrétien, parfait comme, eh bien, ces gens qui priaient Dieu dans les coins des rues, à gauche déployés, pour faire qu'il y a parlé avec mon Dieu. La prière, c'est pour exercice religieux, mais la prière, c'est une relation de cœur. C'est cœur où, qui joigne avec le cœur de Dieu, bon Dieu qui est un Dieu d'amour, de pardon, de miséricorde, et il veut le cœur où, avec tout ça qui est dedans, de tristesse, de joie, de problème, et bien cœur où, uni avec le cœur de Dieu dans la prière. Et un auteur a dit, la prière c'est le moment où le ciel et la terre s'embrassent. Alors, achetons-nous dans la communion avec papa. Par les monde qui passent dans nous. Bon Dieu nous embrasse. Par les auteurs a dit, la prière c'est le moment où le ciel et la terre s'embrassent. Puisqu'il en est ainsi, l'exhortation à la prière, ce n'est pas une simple idée. Même tout pour prier, c'est pour un conseil seulement nous barou, c'est pour une suggestion, c'est pour une opinion. Mais la prière, c'est une obligation. C'est un devoir auquel le chrétien ne peut manquer. Parce que sans la prière, le chrétien est comme une lampe sans huile. Sans la prière, comme une lampe sans huile. Ou a fini par tomber, ou a fini par succomber aux attaques de l'ennemi, parce que par des puissances qui t'a campé devant Satan, pas vrai, pour vaincre lui, sauf sous joignez-nous à l'Éternel par Jésus-Christ dans la prière. Seulement on fait fusion avec Jésus-Christ dans la prière. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Chrétien doit prier sans cesse, s'arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous avons 24 heures sur 24 heures à prier? Nous allons à l'école, nous allons manger, nous allons dormir, nous allons travailler, nous allons prier. Non. Prier sans cesse signifie prier en acte et prier en attitude. La prière en attitude, ou qu'à l'école là, ou qu'on attitude de prière avec mon Dieu. Ou qu'à nos marquettes là, ou nos attitudes de prière. Ou qu'à nos brécou, ou nos attitudes de prière. Ou qu'à nos factoria, ou à travail, mon bon communication avec mon Dieu. C'est ça, la prière en attitude et la prière en acte. C'est là nous mettons genoux la terre ensemble pour nous prier, bon Dieu. Paul dit, prier sans cesse, ça veut dire que en toute occasion, en toute circonstance, où louer nos communications avec mon Dieu. Nous ne pouvons pas séparer de ça. Alors, dit que nous devons saisir n'importe quelle occasion pour prier. La prière est pour l'âme, ce que le pain est pour le corps. Combien de temps on a passé sans manger?
Je ne vais pas moi-même. Combien de temps on va passer sans manger? De vous l'heure arriver pour ta manger, ou pour manger, ou pour manger sans ton affaiblissement, pas oui. Et à mesure que le temps passe, eh bien, il y a une décadence physique qui a sérieux dans le corps, ou sans le corps même a tremblé. Il n'est pas différent pour notre âme. Lorsque vous négligez la prière, vous devez sentir un affaiblissement spirituel. À mesure que le temps a passé, vous parlez de la prière avec le Seigneur, et bien cet affaiblissement de l'âme, la vie va plus sentir davantage. Si vous êtes chrétien qui parle prier, ou pas de problème, vous doutez que vous avez une relation sérieuse avec mon Dieu. Parce que vous ne pas prier, vous avez un problème. Vous avez un problème. En pile chrétien, perdu déjà. Il a déjà perdu ma table. Parce que toute prière, c'est prière microwave. Après, c'est le 2 minutes, 3 minutes, pas vrai. Je sais pas, bon Dieu, c'est là au besoin. En pile chrétien, déjà perdu ma taille. Parce que l'on est bon Dieu, là, il y a besoin. Maintenant, vous savez, avec bon Dieu, tant qu'on caout, tu les rejoins. On vient de dire qu'on est maintenant en bas de son machine parce qu'il n'y a pas de cachet à l'évent. Quel chrétien, mon Dieu, pas de cachet à l'évent, ma fille, non? Parce que musique qui a passé, conversation qui a passé, bon Dieu, pas de cachet à l'évent. On vient de son plan, mon Dieu, pas de comme une échange. Ou songez, mon Dieu, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'on songe, de mon vieux caoutchouc, pas de pas même songer, mais de bon à l'heure. God, get me out of that messy marriage. Get me out of that job. Get me out of that church. Get me out. Et vous sans besoin, mon Dieu. Là, il y a un problème. Guérir. Bon job. Après, vous tirez dans ma vie, ça. Fais pas cela juste pour emmerder. Ah, si j'ai pris, on s'en finit, oui. Et puis, on s'en va dans ma taille. En vérité, si c'est seul prière ça, ou bien devant l'Éternel, ou c'est la bouillie pour tout, tout, parce que Satan, moi, pas de mon qui vous. Parce que vous avez contact, vous avez rapport avec mon Dieu, et je vous louer. Vous m'avez subsisté avec la force humaine. Vous ne pouvez vous confier en vous-même pour remporter ces deux victoires, car la bataille n'est pas physique. Et nous disons ça le jeune soir. Pierre te comprend bataille la physique. Jésus dit, Pierre, Satan te réclame pour qu'il vous crible. T'en es bien, oui? Satan te réclame. Il est singulier, il dit te. Il dit, Pierre, Satan réclame, mais pour vous cribler. Il dit, c'est l'ensemble des apôtres, pas vrai, que le réclamer pour le cribler. Mais Pierre, en tant que nègre qui prend le leader, Jésus dit, Pierre, je prie pour toi afin que le roi converti ou la fermé l'autre. Comme ça, Pierre répond. Elle m'a dit, amen. Ah, bon, je vais parler là. Tu vas dans la prison, nous allons. Tu vas dans le côté, nous allons. Nous allons dans la prison, nous allons. Nous allons dans le tombeau, nous allons. Nous frappons là. Et Pierre était tellement sincère qu'au moment qu'on était venu poser la main sur Jésus, le premier des disciples, pas vrai, qui saisit une épée et qui coupe nos oreilles, c'est Pierre. That means, il était sérieux, pas vrai? L'homme dit Jésus-Christ m'a couru avec, Pierre était sérieux, Pierre n'a pas tant joué, non, mais Pierre n'avait pas compris la nature de la bataille. Pierre comprend une bataille là, c'était par l'épée, c'était par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il n'a pas compris la nature de la bataille là. Il te comprend la bataille là, c'est par l'épée, bah oui. Quelquefois, nous ne comprenons pas la nature de la bataille là. Nous comprenons la nature de la bataille là, c'est par l'empile. Nous comprenons la nature de la bataille là, c'est position. Nous comprenons la nature de la bataille là, bah oui. De ça, et monde qui aime. Et laissez-moi vous dire, bataille là, son bataille spirituelle, pour gagner la bataille là, c'est sous genoux. Et sous genoux, hein. Et sous genoux, pasteur de l'église. Et sous chez nous, conduit l'église. Et sous chez nous. Et on nous dit la bataille. Il y a des gens qui disent tu as la chair. Soit un homme qui va être un homme de prière. Car mais les où pour te sous le chine en mal. Souvent mon pasteur dans le démon. Il va être un homme de prière. Pour en prévention. Amen. 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 Amen.
pour un monde qui a mené. Parce que l'église, pas vrai, c'est pas opinion d'homme qui mène, c'est pas philosophie, c'est la parole de Dieu, la prière. Pas un bon ministère qui fondé sur l'orgueil, mal fait par tout, pas vrai. C'est mal fait par tout. J'ai 28 ans de conversion, j'ai 27 ans à prêcher l'évangile sans arrêter. Dans Miami, mon marché derrière, à frère seul, puis nous faire l'église ensemble. Nous dit mon frère, bon Dieu, parlez-moi pour mon pasteur qui t'aime prêcher l'évangile. L'église est vendée mal prêchée, on dit bon, nous 4, nous baguons 4, nous t'arrêtons les pasteurs. Nous dit baguons 4 parce qu'ils sont membres de l'église. Je ne prédis pas de l'église 5, je ne prédis pas de la guerre, je ne prédis pas de l'évangéliste qui va être un berger à faire pour moi. Parce que je ne vous dis pas de l'église. Même si vous avez crassé qu'on va servir mon Dieu, si vous ne parlez pas de mon Dieu, les circonstances sont arrivées, vous allez quitter mon Dieu. Mais si vous en créez dans mon Dieu, vous parlez sans vie avec mon Dieu, vous parlez sans vie avec Jésus-Christ, même les bagailles sont marrées, vous allez aimer bien Jésus parce que c'est votre premier choix. Et c'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez le royaume, c'est quoi? C'est chercher le roi du royaume, pas vrai? C'est pour vous relâcher avec le roi du royaume. Et bien c'est ça, il dit Marthe, ou à inquiéter pour pas qu'elle bagaille. Mais Marie a choisi la bonne. Parce que l'on a pied, mon Dieu, Satan n'y a problème, il va sur la route de la victoire. Là où il n'y a pas de problème, n'y a pas de difficulté, n'y a pas de sac à traverser, c'est genoux ou mettre à terre dans la prière, Satan va sur la route de la vie, de la victoire. Et Paul dit dans le passage là, prier par l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il de parler en langue? En contrairement à mon bonne dénomination, mon pas prêcher religion, mon ça mon fait, mais prier par l'esprit, ce n'est pas de parler en langue. Parce que quand on entre dans des dénominations, dans des trucs qu'on a parlé, blablabla, baron ça l'a dit. Baron ça l'a dit. Je songe à des jeunes petits garçons de collège, Brasserie du Nord, je m'a pontifié, et puis qui dans l'église par la foi de Dieu, baron. Même pas qu'on a fait l'évangile, moi-même. Et puis il dit, oh, je vais si par l'église avec nous, par les mains. Oh, je vais à l'église. Laisse à moi-même. Ça me connaît faire l'église, les parents pour nous faire les soirs, bande d'excellence, nous disons professeur l'école. La chita n'a pas bandé en l'église, les plat tombé, c'est quoi que nous n'avons passé dans la bouée. On va à l'église, la privée l'église, tout le monde met à genoux, blablabla, l'église. Parce que c'est pas pour ça, malin, vous comprenez? Laissez-moi vous dire que, des gens qui comprennent prier par l'esprit, c'est le parler en langue, non! Parce que les langues que parlaient les disciples à la Pentecôte, c'était des langues connues. C'est pas pareil, vous ne dit, vous ne comprenez pas. Parce que vous ne parlez pas en langue, vous ne comprenez pas. C'est pas pareil, vous ne comprenez pas. Les disciples ont parlé en langue que vous n'avez pas besoin de comprendre. Dit des mystères à Dieu. Et les affaires avec bon Dieu. Mais si c'est dans l'assemblée, le parler en langue, il faut me comprendre. Parce que tout ce qu'a fait dans l'assemblée, c'est pour nous édifier. Si vous ne la langue qu'on parlait à la Pentecôte, c'était la langue connue. Monsieur, on a parlé, il n'y a pas contre qui s'est parlé, mais les nations qui s'étaient rassemblées à Jérusalem, ils ont tapé des messages à tout pour nos propres langues. Je parle anglais, on tape en anglais. Je parle espagnol, on tape en espagnol. Mais vous n'avez pas dit des bagages que je vais comprendre. À terme, que le peuple a dit, oh, peut-être que c'est Israël qui tue. À pas m'entendre à parler langue par nous. Est-ce que vous sous? Bien dit non, à cette heure de la journée, vous pas sous, mais c'est pour lever, repentez-vous, car le royaume des cieux est. Vous ne pouvez pas l'évangile, non, vous ne pouvez pas comprendre. What is it? Les langues qu'on parlait à la Pentecôte, c'était des langues connues. Lorsque Paul nous dit de prier par l'esprit, qui ça le dit, elle dit que c'est pour nous remettre, pas vrai, nos vies, c'est pour demander au Saint-Esprit de nous guider dans nos prières. Le Saint-Esprit qui nous dit, nous, apprends-nous, ça pour demander dans nos prières. Prier, laissez-moi vous dire, prier, ce n'est pas simplement parler. La prière, c'est une conversation.
bon Dieu, en même temps, attendez la voix de Dieu qui a parlé avec vous. Jésus-Christ dit, mes brebis, y'attendez voix. Ouais. La prière, c'est une conversation. Le mari seul qui a parlé, qu'on le pourrait être, pour mon Dieu parler avec vous. C'est une conversation. Jésus qui dit, mes brebis entendent ma voix. Et bien, la bataille spirituelle, là, il est important qu'on comprenne. Vous tendez la voix de Dieu, mes bien-aimés. Vous tendez la voix de Dieu. Et Paul dit, priez avec persévérance. Ça veut dire, pas décourager dans la bataille là. Qui est confiance dans mon Dieu. L'étendez, là, toujours répondre à vos prières faites par l'Esprit. Il y a une qui comprend. Ensuite, prière faite par l'Esprit. Dans les chrétiens, je n'ai pas besoin de mon Dieu matériel. Je vais simplement prier pour ma spirituelle blague. Et bah oui. Je vais prier pour Dieu seulement pour spirituel, je vais prier pour matériel. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Moi, je vais prier pour Dieu pour quoi, oui? Oh, yeah. Ils vont pas choisir pour la masse comme non, même. Ils vont pas choisir. Même prier pour quoi tout. Parce que pour vivre la forme, mon costume, mais tout le monde. Vous comprenez? Et demandez, tout une bombe le spirituel, bombe le ciel, bombe le spirituel, m'a besoin de la terre, c'est pas vrai? Jésus qui dit, l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole, il n'a pas tout, pas besoin de paix, non? Il dit, parole, mon Dieu, non? Enfin, en priorité, mais moi, je prie mon Dieu pour tout pareil. Je prie mon Dieu pour gros l'argent. S'il n'a pas choisi pour le bon, il n'est pas bon, il le connaît. Je ne sais pas si je suis un costume pour mettre sur moi. Oh, yeah. Je suis un costume pour mettre sur moi. Je suis un caïf pour payer. Je ne sais pas si je suis là comme ça, ou ma machine ou un gaz pour mettre là-dedans. C'est pour prier mon Dieu pour mon corps, pour mon travail. Pas faire ça, pas doué faire. Pas vrai? Ça que mon Dieu pas barou. Pas faire ça, pas doué faire sous ton mon Dieu. Mais prier mon Dieu pour le barou. Parce que ça, mon Dieu, barou, c'est pas oublié. Prier mon Dieu, faire en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Demandez, mon Dieu. Et bien, si vous voulez une victoire dans la bataille, c'est lui qui demandez, cherchez, frappez. Ça, c'est la persévérance dans la prière. Terme ça, vous voulez dire même bagaille. Demandez, cherchez, frappez. Si vous voulez une victoire, si vous voulez remporter la victoire, do not stop praying. Do not stop trusting in God. Do not stop seeking. Do not stop asking. Trusting, knocking at the door. Parce que mon Dieu qui dit push, you know.